Et yo tout le monde, c'est Charty en compagnie de Jay-Z. Donc on se retrouve pour l'épisode 16 de Dragon Ball Z Goku Densetsu. Dans le dernier, on devait affronter ce bâtard de Vegeta qui nous a avoué qu'on devait encore faire des combats. C'est cool. Ou pas. Mais au moins on a toutes nos vies. Et donc on y retourne tout de suite. Alors, on n'a pas fait d'off entre les deux épisodes, donc là on y va à la OZF style. De toute façon ça sert à rien vu qu'on est en plein dans le niveau, on peut pas faire de off donc. Ouais, mais là en fait, je viens de penser en fait, si on arrive à faire les 8 combats, il va nous rapporter masse XP en fait le bonhomme. Ouais. J'ai oublié de save state. Maintenant. Je te rappelle que tu peux annuler sur cette action, donc du coup c'est pas. Ah oui, non, non. On va espérer. Oh putain. Non, 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 ne me dis pas que t'as mis une contre, s'il te plaît. Mon cœur bat vite. Que des cartes de merde. Bon. À notre habitude. Il est en one shot. Tu crois? Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Normalement, si, hein. J'aurais dû mettre Piccolo. Il aurait fait une super attaque. J'ai safe state. Putain, je suis con encore. J'ai cru que j'avais pas safe state. Voilà. Allez, 22 dégâts in your face. In your motherfucking face. Et on lui avait fait 17 dégâts, donc normalement, on doit le one shot, hein. One shot. Il a fait brie. En fait brie c'est pas du fromage. J'en ai chez moi en plus. Du brie. Le gars qui trouve des trucs illogiques tout le temps aussi. La bouche elle sent le saumon. Et voilà, niveau 12. Qui a dit qu'on devait XP? Mais qui l'a dit? Ouais, pigeon viewer. Déjà c'est un. Donc là t'as ton insulte un en particulier, hein. Je te signale. Je sais pas c'est qui. C'est Baptiste Morche, hein. Voilà. Dédicace. Dédicace. Donc. Ah ouais, en fait, Krilin, il met. En fait, il fait un pas par tour le bonhomme. Un pas par tour. Alors. On a que des cartes de merde. C'est super. Oh la gamon là. Hey. Alors, on va mettre celle-là. On va mettre celle-là dans son. Dans ton. Oh, et déjà, tu parles pas comme ça, hein, bon. In c'est seulement le troisième combat, là, hein, seulement, je crois. In your ass. Et lui, c'est que le troisième. Et bien profond. J'espère qu'on va pas en faire vraiment 8. Je pense 4, en fait, ça va être divisé par 2, ou je sais pas. Y'a pas de logique, en fait. Je fais une safe state. Ouh, je le sens pas toi. Fierce de pute. Alors là j'ai le choix, soit je reprends la safe state et je mets la 5 en contre, soit je vois ce que je peux faire après. A mon avis là il va me mettre cher. Donc vaut mieux faire ce que je viens de dire en fait. Attends, regarde. Peut-être que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Ah mais maintenant on a que des cartes de merde. Donc t'es obligé de le faire. Sauf si je fais ça. Que tu mettes les. On teste. De toute façon on n'a rien à perdre. Vu qu'il y a la safe state. On va le parer large. Bambolea. Il a fait Bambolea. 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 En fait, c'est le créateur de la chanson Vegeta. Bambolea.
Là, tu sais ce que tu me dis. Tu fais une safe state ou pas? Oui, c'est... Non, mais une deuxième safe state alors, juste en dessous. Ok. Là, les gens, ils sont... En fait, ils... on triche. Enfin, on triche sans tricher, quoi, parce que c'est pas vraiment tricher, mais... C'est tricher, sans tricher. Mais c'est tricher. Il a que des aides. Si je fais ça, je reviens à la safe state d'avant. C'est bon. 3, ouh 13 dégâts. 13 dégâts. 13 dé... Non, 12. Tu sais plus calculer, toi? 3, 2, par an. Ah, j'avais pas vu, je crois que c'était 2. Je t'ai dit en plus 3. Bamba Layla. Au pire des cas, on a une carte objet, donc on peut récupérer Easy Novi, quoi. Easy Novi, Easy Novi. Oh. We don't forget. We are a ledger. Salut, ça va? Pour salut. We are a ledger. Je sais pas si ce que je viens de faire c'est bien. À mon avis, si. Oui, large. K-S-S-I-O-U. S-S-I-O-U. K-S-S-I-O-U. Xiu. C'est un pote à nous. Enfin, un gay. Un gamer. Un gay. Un gamer. Un gestapo. Tu sais au moins ce que c'est, gestapo? Oui. C'est quoi? Le machin dans le temps, là, il tue des gens. C'était trop marrant. Non, j'ai que... C'était la police... Oui, c'était pas russe. Soviétique. Soviétique, oui, c'est la même chose. Ou alors allemande, je confonds. Vu qu'on a vu les deux régimes totalitaires. Non, c'était les nazis, les autres. Non. Si, 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 mais... Oui, bon, on s'en fout, je crois que c'était les soviétiques, de toute façon. Russe, russe. La Russie. La Russie vaincra. Russia. Ta gueule, là. Russie. Merci. We don't forget, we don't forget, we are a legend. tu me fais chier avec ta phrase de merde. Ben, c'est pas ma faute. La faute. De la c'est vie. La faute. C'est la faute, hein. Non, attends, comment c'était la pub là? C'est la faute à Réfort. Tu sais, la pub où il y a deux noms là sur un produit là, c'est le poivre, je crois. J'en veux encore, c'est la faute à Réfort et machin. Et je sais plus du tout en fait. Tu vois pas en fait? Non. Alors, la 5 du coup. Bim. Trop tard. T'as rien pu me répondre. Oh, oh. T'es jaloux de moi, t'es jaloux de moi, t'es jaloux de moi, t'es jaloux de moi, t'es jaloux de moi. Bim! 13 dégâts, new motherfucking face. Bon, on en a qu'au quatrième combat en plus là, je crois. On va pouvoir raconter notre vie tranquillement. Alors, je suis né dans un. Je suis né dans un asile. Bonjour, je m'appelle. Je m'appelle Henri. Je m'appelle Henri. Henri Asile. Et j'en ris en plus. J'en ris encore. Haha. Qu'est-ce que je fais? Ça et je le mets avec la 7. Allez, parce qu'on est des thugs. In a motherfucking face. Parce que je sais pas à jouer. 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 Parce que je. 7, 7, 14, c'est bon, le part. Bim, bim, j'ai calculé à la vitesse 7, 7, de la lumière. 7, 7, 14. Bambolea! Bambolela, bambolela. Et ça va partir en couille cette vidéo. Ça me saoule, j'ai que des cartes de merde. Mais vraiment des cartes de merde. Quand c'est comme ça, y'a rien à faire, rien à faire. Y'a un truc à faire. Un truc. Putain, mais. Un dégât. Putain, si on a pas une bonne carte après, je pète un câble là. Bambaleya! Bambaleya! Bambaleya!
j'arrive pas à claquer. Ah si, c'est bon. Ah, oh putain. Non, me mets pas la pression, s'il te plaît, là. Non, Vegeta. Soule pas. Vegeto. Ils connaissent même pas. Si. Ils connaissent pas, je te dis. Si. Ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas. Hein, de cette ils me connaissent pas. Voir, mais c'est pas grave. Non, 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 j'accepterai pas. J'accepterai pas. Allez, rage quitte. J'accepterai pas. J'accepterai pas. Par contre, non mais en fait là on est dans la, en fait on est vraiment dans la merde. Non. Oh. Le mieux que je puisse faire en fait c'est ça en fait. Je suis désolé les gens, hein, c'est un combat de sourds en fait là. 14, on a que 7. 7 dégâts dans la gueule, t'es mort. Non, je suis pas mort, mais. Ah, putain, le cri de Baznal, c'est un cri de sauvage, ça, mon gars. À part ça, 11 minutes de vidéo. Putain, mais on a. Pourquoi on a que des cartes de merde? Je vous le demande. Je vous le demande en tant qu'homme de foi. Oh putain, non mais Vegeta, arrête. Vegeta, arrête. Végétarien. Oh putain. Non mais Romain, il... voilà, bon, ça sera bipé, j'ai dit ton prénom. Ouais, là, il me met la pression, le bonhomme. Jay-Z, il me met la pression. J'ai... À vrai dire, je trouve que... Il me met la pression, ce bonhomme. Que t'es nul. T'es nul. Mais j'ai que des cartes de merde. T'es nul. Moi je les redémonte. Non. Non. Non mais. Non mais putain. Y'a le Alt F4, regarde, je te montre. Non non non, fais pas ça. Alt F4. Non 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 non, fais pas ça. Jay-Z. Tu veux que je redise ton prénom? Ça me dérange pas. Non. Non mais sérieusement, on n'a pas fait tout ça pour crever, bord. T'es nul. Pourquoi tu sais pas jouer? Ta sœur. Pourquoi tu joues à ce jeu si tu sais pas jouer? Je sais jouer, mais quand j'ai des cartes de merde, je peux rien faire, mon gars. Je peux rien faire si j'ai que des cartes de merde. Arrête de bouger le siège. T'es de mauvaise foi. Bon, voilà, là il met un compte, je suis dans la merde. Ah non, pas forcément. Vu que j'ai save state. Voilà, nickel. Pour une fois qu'on fait une bonne action, hein? Et c'est bon, on a gagné. Je vous le demande en tant qu'homme de foi. Putain, mais c'est. Non, mais là, c'est une. C'est la sœur d'une prostituée. Ouais. Vegeta, tu es la sœur d'une prostituée. Voilà. Frère, je suis obligé de t'insulter. Oui. Le frère, oui. Voyons, on a pas de problème. Vegeta, fais gaffe à ce que tu vas faire. C'est bien. Tu vas faire 24 dégâts juste pour ça. Tu voulais que je fasse quoi? Il a plus de vie, tu aurais fait une contre. Non, je la garde pour la transformer en cas. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Rien entendu. Tu parles de quoi? Rien du tout, rien du tout. Ah ok, j'ai cru. Nous sommes revenus là à la dernière action, enfin l'avant-dernière. La dernière action n'a pas existé. Vous ne m'avez pas entendu me lever de mon siège et rage quitte. Non, non. Bah non, parce que s'il avait rage quitte, il serait plus là, tu vois. En fait, c'était dans un monde parallèle. C'est un fils de pute. On parlait les pupettes rectangles. Voilà. Vegeta, tu sais ce que t'es. Dans tous les cas, en fait, on a perdu. Vegeta. Mais vaut mieux choisir ça en fait. T'es qu'un fierce. La 3. Le pute. Sinon tu te fais défendre en fait.
C'est soit un dégât. Non, c'est soit. Si je mets la contre, ça va faire contre. Donc en gros, ça va faire 8 contrés. 2 8. Ça a compté que un seul contre. Non, ça compte deux fois, je crois. Non, qu'une seule fois. T'es sûr? C'est mal fait, mais c'est comme ça. Ouais, ça en fait, ouais. Tu la mets en contre. Pourquoi? Ah non, tu la mets en. En fait, tu peux la mettre en n'importe quoi là, en fait. Dans tous les cas, en fait, faut mieux mettre ça. Parce que soit il prend 8 dégâts, 24 dégâts, ou soit il prend 3 dégâts. Enfin, soit il a 3 dégâts. Ouais, donc en fait, il vaut mieux mettre ça quoi. Ouais, voilà. On va quand même tester en contre, allez. Parce qu'on est vite. Non, surtout pas. À vrai dire, je pense que. Alors, 3-2. On va voir si ça fait contrer. Dans ma tête, ça fait contrer. Hein. Non, t'avais raison. 3-5, en plus, on le part. Donc c'est easy, quoi. Donc. Right. Là, on va gagner le combat. De façon easyment. Easy money. Caramel. Sauf s'il remet une contre, mais dans ce cas, je le traite de tous les noms. Le salaud. Pourquoi? Parce que c'est pas gentil. Voilà. Donc là, c'est bon, on a gagné. Vous savez, il était dans le combat, là. Je crois que c'était the best combat of the world. Tu pourrais te rapprocher du micro, tu sais, parce que là, en fait, on t'entend pas, en fait. En tout cas, on lui a mis 20 dégâts dans la gueule. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, j'espère que c'est bientôt terminé. Je crois qu'on était qu'à 4 combats en plus. Montée de niveau. Ouais, cool. Je m'en barrais. Il faut une carte objet. Oh putain. Krilin. Dépêche-toi. Bientôt 8ème tour. Oui! 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 Une carte objet! Oh là là! Qu'est-ce qu'on s'en jaille là? On s'en jaille! Plus de. Plus de puissance. Je sais plus faire. Plus de puissance. Oui! Une pomme! J'ai des blessures graves, mais si je mange une pomme, ça va me restaurer mes PV. Et mais ouais. Oui. Genre j'ai des cicatrices. C'est comme un médicament en fait. Si je mange une pomme, ça va me restaurer. Et ouais. Tu vois, en fait j'ai perdu un bras, du coup je mange une pomme pour qu'il. Pour qu'il repousse. Voilà. En fait c'est on voit la débilité de ce jeu en fait. Comme toi. Oulala, toi tu vas te calmer, toi, parce que c'est comme maman, ça met un bâtard. Tout le temps. Voilà. One, two. Voilà. Il a compris que c'était le boss. Il a compris. C'est pour la zic, mais il est cabriolé. Voilà. C'est fini. Sangoku, c'est inutile. Je le savais, il est trop fort. Pourquoi oui. Tu n'as pas dit à Sangohan de fuir? Si tu savais, hier, c'était écrit 8 tours. Pas 8 combats, 8 tours. C'est le moment de te confier. De te le confier. Le Genkidama que j'ai créé à partir de toutes les énergies de la Terre. C'est ouf. Ah oui. 8 tours. Sauf qu'on avait déjà fait 2-3 tours déjà avant. Hein? Donc ça voulait bien dire 8 combats en gros. Ouais, je savais. C'est... Tu savais, bien sûr. Je le savais. Là, je vais me faire une connerie. We don't forget. We are a legend.
Ça veut dire quoi la traduction, s'il te plaît, là? N'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous sommes une légion. Ok, on doit être à 5-6 combats là, quand même. Hein? C'est pas comme si on connaissait pas l'adversaire, on va dire. C'est la première fois qu'on le voit en fait. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on le voit en fait. C'est dommage. En fait, je viens de remarquer en fait qu'il n'y a pas de logique dans ce jeu. Le mec, il garde son niveau 14, mais logiquement, il devrait perdre en niveau vu qu'il prend des coups à chaque fois. What the logic? En fait, le gars, tu vois, il est toujours aussi fort, quoi. Après, ça te fait frapper, tuer 15 milliards de fois, le gars. Le mec, il se relève toujours. Toujours aussi fort. Je suis là, toujours aussi fort. Anonymous. Bac déferlante dans ta gueule. On se dégage. Ça fait plaise. Salut, ça va? En fait, là, on a fait que un épisode avec que des combats de Vegeta. C'était fun, hein. Vous me direz vos ressentis à la fin. Bonne nuit, les amis. C'est sérieux, ça. On va être là encore dans 15 ans. Tu veux nous chanter une berceuse, Vegeta? Les salopes. Je le sens pas, là, coup, là. Ah si, je le sens bien, en fait. Au revoir pour la... Attends, pour la combienième fois? Quatrième ou cinquième fois? Sixième. Déjà sixième? Non, je sais pas. C'est le gars, déjà sixième? Oh, mais ça va trop vite. Cinquième ou sixième, soit l'un soit l'autre. Mais en gros, en fait, on XP, mais on continue l'aventure. Quoi demander de plus? Alors là, je pense que c'est Sangohan. En fait, c'est le niveau là qu'il faudrait refaire à chaque fois pour XP Sangohan. Au ouais, début. Surtout que ça rapporte plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Accent Ikebara quoi. Me confier quoi? Le genre Kidama, l'énergie vitale de la Terre accumulée. La moitié de l'énergie... La moitié de l'énergie s'est évanouie, mais... Je pense que ce sera suffisant pour le battre à présent. Quoi? Krilin, prends ma main. Et je prends la tienne... L'histoire est finie. J'ai pas la moindre idée de... Parce qu'il m'a pris la main, cet imbécile à côté de moi. Dépêche-toi, Sangohan va mourir. Tu es sûr que ça va aller si je te prends la main? C'est moi qui te la demande. Te le demande. Ça devient chelou, là, par contre. Arg! Ton bras est cassé. Ton bras est cassé? Oh, ça va aller. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas, hein. Non mais arrête là. Je te transmets le Jean Kidama, prends-le. Hein. Je te transmets le Jean Kidama, prends-le. Encore? Non mais là, non mais Vegeta, arrête là. C'est bon. C'était la teuf, on a compris. Tu m'aimes. Mais voilà, à un moment donné... Non! Non. J'ai fait une safe state avant. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Je voulais pas faire ça. Tu veux faire quoi? Je sais pas. Bon, allez, rien. Hein. Tant pis! Bon, allez, on va se prendre une dernière pomme. Et voilà, là on est au top. Il doit rester encore 2-3. Allez, je dirais 3 ou 2 combats. 2, je pense, plus. Mais. Après celui-là encore un, je pense, et après c'est fini. C'est que je commence presque à m'endormir, moi aussi. Je suis pas fatigué, hein. Juste que j'ai mal aux yeux. Bien sûr. Bien sûr. Je le jure sur le Coran. Bien sûr. T'es conscient qu'on n'a pas le droit? Ouais. Tu t'en fous, en fait. Tu t'en bats les couilles. Non. Tu t'en fous, c'est comme ça, c'est... En fait, je m'en fous. Même en fait, non. Je m'en fous de tout, même de moi, donc du coup, oui. C'est vrai, le mec, il se fout de lui-même. Faut le faire, quand même. C'est un connard. Bonjour, je me fous de moi. Ah, ouais. Allez, très, très, très crédible. Oh non, mais les gars, sérieux, là. Donnez-moi des bonnes cartes ou crevez en enfer. Crevez en enfer, c'est pas mal. C'est assez amical en fait, là-bas, tu vois.
En enfer, sûrement, il y a des meufs chaudes. Qu'ils ont tellement chaud. Non, non, mais non. Non, mais j'ai fait... Allez. Non, tu l'as pas fait. Eh bah, je m'en fous. C'était quand, la dernière? 21 min... Hein? Oui, c'est celui-là, le dernier. 16h21, allez. On en était là? Qu'est-ce que j'avais fait? Oh putain, il casse les couilles. On va refaire le combat là. Ouais. Exprès parce que j'ai pas fait la safe state. L'homme qui emmerdait tout le monde. Parce qu'en plus, je m'étais fail sur un truc là tout à l'heure. Ouais. Salopard. Mais bon, ça on connaît, hein. L'homme qui triche sur les jeux. Bon, les gens, je vous promets que j'essaierai de le faire un minimum dès les prochains épisodes quand on aura XP. Et c'est juste que là, j'ai pas envie de tout me retaper ce niveau parce que là, quand même, là, c'est chiant. Voilà. Autant vous le dire que c'est chiant. Voilà. Même si, voilà, c'est chiant. Faut se l'avouer, c'est chiant. Mais vraiment, vraiment chiant. Chiant et chieur. Voilà. Donc, ouais, tu vas parler, blabla, 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 tu parles beaucoup, blabla, 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 blabla. Voilà, ton bras est cassé, on s'en bat les. Voilà. T'as parlé. Alors, bon, on va refaire les mêmes actions qu'en fait, que la dernière fois, que tout à l'heure. Bon, voilà. Mais en mieux. Non, en fait, on va faire les mêmes. Mais en mieux. Le gars qui change d'avis, c'est aussi vite que... Allez, donc on se prend la pomme. Voilà. Easy, easy. Tais-toi. Donc là, normalement, théoriquement, il nous met une 6. Et une 8. Enfin, voilà, une 2. Une 2, une 2. Non, c'est après ça. Là, on avait fait ça. Ça. Et normalement, on avait mis 8. Mais pourquoi tu refais, espèce de. 1, 2, 8. Bah pourquoi? Et parce que je peux rien faire d'autre, espèce de con. Moi. Voilà, 8. Voilà. Là, on le part. Et après, il nous met la contre. T'es un crétin. Je sais. Beaucoup de gens m'ont dit. Je te le redis. Merci. C'est l'histoire d'un homme qui jouait sur un jeu et qui s'est nommé Dragon Ball Z Goten Zetsu. Genre, on n'a pas les mêmes cartes. Et qui raja. Ah oui, c'est pas la même carte. Et qui raja. Jusqu'à la fin, ça. Jusqu'à en perdre à l'aile. Ouais. En plus, à l'aile. Puis la bouche. Parle pour toi. Et donc, safe state. Ouais, ça pue le saumon. 8. Non, mais on peut pas le savoir en fait. Petit. En plus, c'est bon, tout le monde sait que t'as bouffé du saumon à midi. Cool. Si mes deux aides, je rage quitte. Au revoir. J'ai vraiment envie de dormir là en fait. Oh, super attaque! Ancestrant! Bim, in your motherfucking face! Naga? 15 de dégâts. Naga? Bim. Il va mourir, c'est bon, au revoir. Goodbye, my lover. Goodbye, Lenin. Sauf qu'il est encore là. Sale fiesta. Pourquoi tu parles de Lenin? Tu connais pas le film Goodbye, Lenin? Si tu connais pas, t'es vraiment un inculte. Et là, Je connais. Tu connais ou pas? C'est sur le mur de Berlin. Bah c'est sur le mur de Berlin là. En fait c'est une maman. C'est hein. Une maman. En plus je crois que c'est. Elle tombe dans le coma. Elle tombe dans le coma je crois. Et pendant son coma, il y a la chute du mur. Ouais, y a la chute du coup du mur, elle en est fait. Quand elle se réveille pour ne pas la bouleverser, ouais. Ils font croire qu'ils vivent encore en RDA. Ouais, en fait voilà. Ils vivent en RDA. C'est cool hein. Ouais c'est trop cool. Et je l'ai vu en plus hein. Sérieux? Je connais le film mais j'ai jamais vu. En fait on a commencé niveau 11, on finit au même niveau que lui. C'est cool. Moi je connais Lénine juste parce que c'était le gars de réussi là. Mais... Wow.
C'est un gars de la Russie, mais... Ah oui. C'était avant, c'était avant Staline, voilà. Oui, bon. C'était en 14-18. Hein. C'était pas en 14-18, espèce de con, va. Bah. Lénine, il a... Et, en 1917, je crois qu'il a perdu son rôle. Et en 1920... Non, en 1917, il est entré au pouvoir. En 1920... 21, je crois. Quoi, Staline? Staline, c'est en 24, en 1924. Et Lénine, c'est en 1917, je te dis. Waouh. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Quelle quantité d'énergie phénoménale. Tu vois, quand il a fait ça, et pouf. Mais bref, quelle quantité d'énergie phénoménale. C'était le toutou, là, le toutou des Allemands. Dirige l'énergie jusqu'à ta paume et concentre-la. Forme une sphère. Fais de ton mieux. La guerre 14-18. Sangohan ne peut pas contrôler. J'avais raison, le Kenny. Une telle quantité d'énergie. Non. C'était pendant pas vraiment. J'ai réussi. C'est pas vraiment ça. C'est un Genkidama. Tu as réussi. Krillin, lance-le sur lui. T'inquiète, je finis de lire et je t'explique. Je n'ai plus la force de générer à nouveau un Genkidama. Non mais tais-toi là. Je ne rate pas ton coup. À toi de jouer maintenant. Je comprends. Tu es débile en fait. Je vais essayer. Compte sur moi. Ouais, mais alors tu me l'expliques après. Après non, la vidéo. Non, comme ça, les gens, je les... Comme ça, je révise le brevet en même temps, tu vois. Donc, en fait, Lénine, en 1917, c'est la révolution russe. La Russie a quitté le camp des... triple alliance, je crois. Ouais, c'est ça, la triple alliance pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ils étaient avec les Français. Et ils ont quitté la guerre mondiale. Donc en 1917, pour faire la révolution russe, menée par Lénine. Voilà. Et les bolcheviks. Qui étaient quoi? Non, je crois pas. Lénine, c'est un connard. Je crois pas. Oh, on a débloqué une nouvelle carte. Waouh, c'est un Kamehameha Kaioken de fois 100. Tais-toi. Là, sérieux, tu le dégoûtes. Les gens doivent être dégoûtés par toi. Ouais, je sais. Non, à vrai dire, je crois que c'est pas le Kamehameha père-fils. Non, t'es fou, toi. Déjà, il non. Il pas sur ce jeu. Si, si, mais vers la fin, je crois. Ah. Je sais plus du tout les cartes qu'il y a, en fait. Ouais, non, sinon, il sera à une main. Ça. Et puis la mouche. L'homme qui suivait le regard des mouches. Vachement gros en plus. Hein. Et en fait, les gens là, ils ont qu'une hâte, c'est que la vidéo elle se finisse pour aller voir une autre vidéo, je sais pas moi. Parce que là, même. Ils peuvent déjà la quitter. Parce que ouais, déjà en plus. C'est pas fini hein. Putain, et quand même 33 minutes. Je crois que c'est les plus longues vidéos qu'on ait jamais faites. Non, la plus longue c'était un épisode de Spectrop 40 minutes. Non, une heure. Non, 40 minutes. L'épisode de fin de Spectrop, il était combien? Je me souviens plus. 44, je crois. Non, je sais pas du tout en fait. En fait, c'est un épisode que des save states. Tout le temps, on fait que ça. C'est pas mon truc. Ah ouais? Bah, moi, tu vois, c'est mon truc. Quand on a un prof d'histoire qui dort pendant les contrôles, l'histoire, ça devient ta matière préférée en fait. Non, parce que le mec, il dort, il bouffe, et il est sur son portable. C'est un malade, le mec. T'as eu quand même 36. Et une note super bien, quoi. J'ai pas eu 36. Sur 40. En maths, ça. Pas en histoire. Ah en ouais, histoire, bah ça j'ai. Va, alors. Non, je confonds avec l'autre, là. Bon, avec un autre pote. Ouais, en histoire, en maths, j'ai eu 36, mais en histoire, j'ai eu 29 et demi. J'ai eu. Pareil que moi. Enfin, pas loin. Hein. T'as eu combien? Non, mais t'as eu combien? Je m'en souviens plus. T'avais aussi dans les 20. 24. Et ouais. 24 parce que j'avais beaucoup travaillé ce jour-là. Ouais. Autant qu'au vrai brevet en fait. Tu vas te donner le paquet là. Oh là là. À fond. Tu vas mettre ton mode intello là, comme tu sais si bien le faire avec ton 11 de moyenne. Ouais. Non, parce un peu moins quand même. Parce que là je trouve que mon 11 de moyenne c'est un peu trop quand même. Donc, un peu... What? Il a paré, mais il s'est fait one shot. Enfin, pas vraiment one shot, mais. Bon voilà. C'était le dernier, j'espère. Non, allez, c'est fini, mon gars. Allez, dis-moi que c'est fini. Quelle puissance! Il devrait pourtant être affaibli après son combat avec papa.
Tu te débrouilles bien pour une demi-portion, mais tu auras bientôt atteint tes limites. Okay. Nom d'un chien! S'il ne reste pas en place, je n'arriverai jamais à le toucher. La vue ne suffit pas à diriger le Genki-Dama. Ressens l'énergie maléfique et fais feu. Qui me parle? Je suis Kaio, c'est moi qui ai enseigné le Genki-Dama à Sangoku. L'avenir du monde dépend de cette seule attaque. Sache que le Genki-Dama est créé par l'accumulation des vœux formés par tous les terriens. Kaio. Pour les guerriers d'élite, le nombre d'adversaires n'importe peu, importe peu. Apparemment, il est trop tard pour que vous appreniez cette leçon. Ressens l'énergie maléfique et fais feu. Je vois. Je dois la percevoir. Percevoir l'énergie maléfique. Je t'en prie, dépêche-toi, Krilin. Il prépare quelque chose. Quelle quantité d'énergie incroyable. Si tu dois agir vite, alors fais-le. Regarde bien, Caro. C'est la dernière fois que tu verras ton inconscient de fils vivant. Hein? J'ai compris. Bon, on l'avait vu au début du de dernier épisode. Qu'est-ce que tu attends? Andouille, dépêche-toi d'en finir. Comment? Grrr, quel imbécile. La ferme. Zut. Et qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dans le mille. Oh oh. Arg. Ah, en fait, il s'est téléporté. Enfin... Hein? Ah! Hein? Je l'ai manqué! Tout est perdu. Sangohan, utilise le Genki-Dama. Tu ne dégages pas d'énergie maléfique, donc tu dois pouvoir le renvoyer. Oh putain. En plus, je m'en souviens, mais bon... Genre, ils sont obligés de mettre le cercle... Ils peuvent pas nous mettre directement. Tu dois le renvoyer en deux tours. Quoi? En deux tours? Mais, eh oh, mais t'as vu tout ce que tu me demandes, toi? T'es un ouf, mec. Mais t'es un ouf. Pff, avec les cartes que j'ai... Ça passe, hein. Ça passe mes fesses, hein. Attends, là, je fais déjà que 8 pas, mon gars. Si j'ai pas des bonnes cartes après, Bah, c'est mort. Mort les mimosas. T'es con ou t'es con? Les deux. Même si je préfère être con, parce que être con, c'est pas trop bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 pas. Enfin, non, pas vraiment. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, si on peut pas faire 7 pas, on est dans la merde. Et ça serait con de finir en fait comme ça, quoi. Parce que je crois qu'on meurt après. Automatiquement. Oh bah, là on peut dire qu'on a eu de la chance. On a eu de la chance. On a encore eu de la chance. Ça va, c'était pas trop long cet épisode. Pas du tout. Ouais, pas du tout. T'as trouvé, toi? Oh non, pas du tout. Je croyais que c'était en plus... Yeah. Ah. Que c'était en plus... Très... très long. Ah. Très chiant. Je l'ai fait à ta place, mais osez. Très chiant, ouais. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on a eu des adversaires très variés dans cet épisode. C'est vrai. On en a eu 8 différents, en fait. Tous différents. Plus un gorille géant, quand même. Oh, c'était la même personne, mais bon... voilà, quoi. Ah ah. Et surtout qu'ils avaient pas forcément la même puissance, hein. C'était jamais égal, ici. Ils étaient tous différents. Ils ont réussi, ouais. Ils étaient pas tous du même niveau. Fiu. Varié à 100%. Allez, temps. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Oui, on a réussi. On a réussi. Haha, on a réussi, Sangoku. Ouais, les fesses. Ouais. Il va revenir, on va en croire que c'est un cadavre, voilà. Papa,
Vous y êtes arrivés, mes amis. Ouais, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Et 40 minutes, mon gars. C'est vrai que vous n'avez pas l'air très frais. Hé, hey, parle pour toi. Hein? Le soleil. Tu l'as refait. T'as re... J'ai pas fait exprès. T'as refait ta voix de merde. Faudra couper. C'est rien, c'est juste un cadavre. Zut alors, il était pénible, mais on devrait peut-être lui creuser une tombe, non? Des tombes pour vous, oui. Hein? Vous m'avez donné du fil à retordre. J'ai même pensé que je ne survivrais pas à cette dernière attaque. C'est impossible. C'est... Oh non, arrête là. Je crois qu'au bout de 40 minutes, je suis déjà KO. Il a encaissé un Jonquille Madama de plein fouet et il est toujours en vie. Ça m'a beaucoup affaibli, mais... Il me reste suffisamment d'énergie pour expédier des minables de votre espèce en enfer. Une fois que je vous aurai tué, je recouvrerai mes forces. Et je raserai cette planète. Avec un rasoir. Ah, faut que j'arrête de gueuler. Attends, on aurait dû couper en 20 minutes en fait. Ouais, au revoir. Ah, il y a encore un combat. Non! 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 C'est... Non mais les gens, c'est éprouvant. C'est vraiment éprouvant. À ce stade là, c'est vraiment trop éprouvant. Ça fait peur, hein. C'est trop éprouvant là. En plus on a que des cartes de merde. Mais si on perd là, si on perd là. Je me le pardonnerai pas. Oui, 6. C'est toujours le début du bonheur. 4 de défense. On devrait pouvoir lui mettre cher. Enfin, 2 dégâts. Allez, une carte contre. On save state au cas où. 2, je fais un combo de puissance. Mais voilà. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on le batte pas. Voilà. On aurait peut-être même pu mettre une 4. C'est bon. On va se contenter de ça. Voilà, 3 dégâts, peinard. Il sera pas totalement dead, mais on s'en fiche. Je fais quoi, ça? Ouais. Save state, comme d'hab. 8. Hop. Et 43 minutes quand même, on est des thugs. Ouais, ça passe. Tranquille. On a gagné. C'est bon, ça passe. Je le fais encore une fois. Ah, mais ça va pas passer. Je le sens pas, là. Easy. Là t'aurais pu gagner. On va voir l'effet de la nouvelle Z. Bon, je sauvegarde quand même au cas où. Même si en fait Allez, c'est Z. On va voir son effet 24. Et là on lui met cher. Sauf s'il a mis une contre. Voilà, 24... ouais, 23 dégâts. Ciao les gars.
Ah, c'est un gros rayon en fait. On l'a déjà vu en plus. Quoi. Au revoir. En fait, c'est le meilleur niveau pour XP en fait. Ouais. Mazenko 100%. Ouais, Mazenko. Mazenko. Toi. Pauvre fou. Me faire gaspiller une telle quantité d'énergie. Leur nombre importe peu. Ça me ferait mal que ces minables puissent rivaliser avec moi. Ça suffit, vous allez mourir. Nom d'un chien, bon sang. Ra. Raotep. Gagné. Bon sang. Pour un guerrier de mon rang, cette puissance est tout simplement risible. J'avoue. C'est à peine s'il respire encore. Que, quoi ? La queue du gamin a repoussé ? Une queue ? Mais oui, il y a longtemps, même la queue de Sangoku avait brusquement repoussé. S'il se transforme, ça risque de se corser. Jirobe. Ah ! Quoi ? Ah, j'ai réussi. Non, c'était pas la voix là que je faisais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un type dans ton genre ne... Non, ça c'est la voix de Gollum. Je sais plus la voix ce que je lui fais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un type dans ton rang ne peut pas se mesurer au grand Yajirobe. Genre là, il se croit puissant, c'est... Abruti. Quel sombre crétin. Désolé, ça t'a fait mal? C'était une blague, je le referai plus. Alors au début, il est fort, mais à part ça, après, il a peur. Mais oui, je t'admire. Tu veux être mon ami? Faillot, quoi. Gars. Sangohan, le ciel. Regarde la sphère lumineuse dans le ciel. Dans le ciel, Dans le ciel? C'est quoi un ciel? Non, je ne te laisserai pas faire. Meurs. Raoua. Bon sang. Mon corps ne peut plus bouger. Sangohan, devenu un gorille géant, finit par triompher. Mais Vegeta réussit à lui couper la queue avant de s'enfuir. Ainsi s'achève la bataille décisive qui aura vu nombre de sacrifices du côté terrien. Mais à présent, une aventure bien plus périlleuse attend Sangohan et ses amis. Elle est l'objet du prochain chapitre. 44 minutes. C'est éprouvant. Trop éprouvant. Bon. On va débloquer masse chapitre, j'imagine. Un seul ? Ça doit être Vegeta. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et moi et Jay-Z, on vous dit bye. Bye. Salut.